The President, veuillez vous asseoir. Please be seated. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today's session is part of case file 002/1. La chambre siège aujourd'hui dans le cadre du dossier 002/1. Today the chamber is hearing, comme prévu, aujourd'hui, the testimony, la chambre entendra la déposition du témoin TCW. The witness 100 was once summoned. Ce témoin avait déjà été cité à comparaître. Given parts of his testimony. Il a déjà déposé partiellement. However, the testimony session was not yet complete due to the health concerns. La déposition n'a pas pu être menée à terme pour des questions liées à la santé des accusés, lesquels avaient dû être hospitalisés. So today, the chamber continues to aujourd'hui donc, hear the completion of his testimony. La déposition de ce. The jury is now directed to report to the chamber on the status of le the parties, the proceedings. Le greffier est à présent prié de faire rapport sur la présence des parties. The party. Good morning, Mr. President, and bonjour, your Monsieur honors. Le Président, Mesdames, all Messieurs les parties juges, to the proceedings les parties are present, sont présentes. Except Mr. Nguyen Chia, who is present Monsieur in his holding lequel cell se trouve dans la cellule temporaire. Due to his health concerns. Pour raison de santé. TCW 100 is le témoin present, TCW 100 awaiting est présent. Il call est from dans the la salle d'attente à la disposition de la chambre. The witness has Mr. Mom Ruti as his counsel. Maître Mom Ruti and there is no est l'avocat de ce témoin. Witness. Il n'y a pas de témoin de réserve. La the president parole counsel for Mr. Kyu Sampan à la défense de Kyu Sampan, dit le président. Merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Good morning. Bonjour, mesdames, messieurs les juges, et bonjour à toutes les personnes présentes dans la salle. Juste un mot très rapide pour dire que au jour d'aujourd'hui, le procès recommence, mais que nous ne disposons toujours pas de la motivation de votre nouvelle décision de disjonction et que nous entendons officiellement, formellement le dire ici, à la barre, car nous protestons contre cette situation qui nous oblige à reprendre le procès sans connaître les motivations de votre décision. Je ne sais pas quand est-ce que ces motivations seront rendues. Ce que je sais, c'est que nous devons, l'équipe de Kyu Sampan, plaider également cette semaine une demande de mise sous contrôle judiciaire de M. Kyu Sampan et que cette absence de visibilité sur la manière dont ce procès et les suivants vont se tenir nous porte un réel préjudice really et je tenais à ce que cela soit dit à notre and sens. Vous ne devriez pas faire le choix de recommencer so le procès sans que toutes les parties ici présentes, bien sûr, plus particulièrement nous, mais je crois que c'est valable aussi pour d'autres parties qui peuvent en subir un préjudice, connaissent this très précisément la manière dont vous entendez poursuivre ce procès et éventuellement les suivants. Thank you. The President, le Président, co-prosecutor, you may now la proceed. Parole est au co-procureur. Merci et bonjour, thank Monsieur le Président. Good morning, bonjour, Mr. Mesdames President. Good morning, Messieurs your les juges. Honors, bonjour à tous. Good morning to everyone here present. Je ne voudrais pas vraiment répondre à ce que really la défense de Kyu Sampan a dit.
Mais nous voudrions demander une clarification avant de pouvoir continuer l'interrogatoire du témoin concernant les paragraphes de l'ordonnance de clôture qui sont considérés selon votre chambre comme pertinents pour ce procès. Nous avons adressé hier une communication en ce sens à la chambre via la juriste hors classe et nous supposons que les paragraphes qui avaient été jugés pertinents précédemment, notamment en janvier lorsque l'on avait interrogé relevant in January when the witness was questioned for the first time. Nous supposons que ces paragraphes sont toujours les mêmes. That the paragraphs that are relevant are still the same. But maybe for clarification purposes, quelles sont les limites des questions? We would like to know what are the limitations in the questions we may ask. Could the chamber confirm that we're going to be working with the same paragraphs in the closing order, which are relevant to this trial, délimité par votre nouvelle décision de disjonction de mars. Have been also confined by your new decision on severance. Thank you.
The President, the Chamber thanks parties who raised this concern. And the Chamber wishes to also inform the public and the parties to the proceedings that we still stand by the decision by the trial chamber that we uphold the severance matter concerning case file 002/01. And valide. We wish to also confirm that this severance order now also includes the crime site of Paul, suite à l'ordonnance de disjonction, le site d'exécution we hope that parties to the proceedings have already been inclus. Informed as we have les parties enclosed in the appendix to the decision, so devraient there is avoir no été change informé. To such decision. La décision rendue n'a donc pas changé. The change is only seen in the fact findings le seul of, changement concerne les constatations de fait. Change may happen when the chamber needs to decide on how to des proceed with the remaining matters. Intervenir à l'avenir, proceed. Le cas échéant. La parole est à présent donnée à la partie civile. Maître Pic-On. Apologies to the chamber for being on my feet at this moment, but excusez-moi, we have noted the emails by the prosecution concerning the subject matters for qui avait the été envoyé future proceedings concerning case file 002/01. After Madame Ying Tirit has been ruled unfit to stand trial, relevant paragraphs concerning her have been removed. Et donc, les and paragraphes at the same time, ont été Mr. Retirés. Ying Sari has passed Par ailleurs, away. And there are also some certain relevant paragraphs that are relevant to him that have already been read out by the greffiers of the trial chamber. We would like to ask whether these paragraphs should also be removed as ces paragraphes-là they have been aussi done être in case relevant to comme Madame Ying Tirit. Please, Your Honours, we would like to Madame be well informed on this. Nous aimerions obtenir une réponse à ce sujet. The President, counsel for Mr. Nguyen, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, everybody in the courtroom. Bonjour aux juges et à my question would be, would the trial chamber be able to give an indication as to when the written decision will be finalized, or is that very difficult at this stage? Décision écrite? Est-ce possible de le faire à ce stade? The President. Le Président. The Chamber wishes to make it clear again that we would like to la Chambre stand by précise the decision à nouveau concerning que the severance with the appendix that have already been enclosed. Inchangée. We do not la remember comporte the une annexe. Exact wordings concerning the paragraphs je n'ai pas à l'esprit le libellé exact qui concerne les paragraphes pertinents. We
scheduled to hear the witnesses who la chambre are supposed a décidé to appear before the chamber, and we proceed to hear them until we have finished their testimony. Et so we feel that there will be no impact on entendus. This as long as nous we continue to hear all the witnesses. Que la chambre peut continuer d'entendre regarding the tous ces témoins sans que cela decision, donne lieu à des répercussions quelconques. En ce qui concerne la décision écrite, in due course, comme la Chambre l'a déjà indiqué, elle rendra that cette décision écrite en temps utile. And we will do our best to make sure la Chambre that the written decision mettra is tout rendered. En œuvre pour que cette décision écrite soit rendue really dans les meilleurs délais, mais la Chambre n'est pas en mesure de dire, par exemple, que la décision sera rendue demain. Comme le savent les parties, la Chambre fait de son mieux budget, en dépit des contraintes budgétaires existantes. Vous n'êtes pas sans savoir que les employés cambodgiens du tribunal ont connu certaines difficultés. Ils avaient du mal à se concentrer sur leur travail en l'absence de rémunération. Une solution est intervenue tout récemment. La Chambre fera de son mieux pour remettre le procès sur les rails. Et nous espérons que because la décision pourra être rendue très prochainement. Les parties seront dûment informées. Le moment venu, had to issue its oral decision si is la because Chambre we would like a dû rendre make une décision sure that, oralement, we could proceed, more c'est parce qu'elle entendait everyone in this mener à bien les audiences avec toute la diligence that, nécessaire. They would like to see the trial proceedings being more expeditious. Tout le monde est unanime and pour dire indeed, qu'il faut accélérer le rythme des audiences. Et c'est ce qu'a essayé sure de faire la Chambre. La Chambre a œuvré pour davantage de diligence. En ce qui concerne Monsieur Nguyen Chia, il connaît des problèmes de santé. Confirmed by treating doctors. Cela a été confirmé par he les médecins traitants. Remain seated Nguyen for Chia a long ne peut rester longtemps assis he has some back pain en raison and de douleurs lombaires. Il est également pris de vertige lorsqu'il reste assis that, longtemps. Les médecins ont préconisé d'autoriser Nguyen Chia à suivre les audiences cell. Depuis sa cellule temporaire. These recommendations are relevant to those of experts who gave testimonies par ailleurs, during des the current trial proceedings. Sont venus déposer au sujet Campbell de Nguyen Chia. Il s'agissait du Fazel. Professeur Campbell so, et du professeur Fazel. In light of this, the chamber would like to allow dans ce contexte, the accused la Chambre autorise l'accusé Nguyen Chia à suivre l'audience depuis sa and cellule temporaire. Les services techniques sont à présent priés de brancher le matériel audiovisuel qui relie la cellule temporaire au prétoire. Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW-100.
The President. Le Président. Mr. Witness, are you Bonjour, Monsieur Chaum Sai? Êtes-vous Chaum Sai? Réponse. Response. Yes, oui. I am, Mr. President. Je m'appelle Chaum Sai. Question. Mr. Chaum Sai. Question. Monsieur Chaum Sai. Before you were summoned to testify before the chamber once, but vous it was déjà été not yet par la chambre, mais votre complete due to pas pu être the health concern of the co-accused. Was that correct? Est-ce exact? Mr. Réponse. President, I apologize. Monsieur I do not hear your question very je clearly. Je n'ai pas bien entendu votre question. Copy. About over a month ago, you were summoned by the chamber to testify, but your testimony was not complete due to various reasons that the chamber could not proceed. Is that correct? Pour différentes raisons. Est-ce exact? But Mr. President, I réponse. Still cannot hear the incoming voice very clearly. En tout cas, pas clairement. The President, le président. Over a month ago, Il the chamber summoned you mois, to testify before the vous chamber. Étiez venu déposer devant la chambre. Is that correct? Est-ce exact? Response. Réponse. That is correct, Mr. President. C'est exact, Monsieur le Président. Question. Question. You may be well aware that today you are being summoned to testify to complete your testimony because your last testimony was not complete due fois, to the frailty of the health of the accused and they could not participate in the proceeding. That's why the chamber postponed your testimony. La chambre avait reporté la suite de votre and now the chamber summoned you to resume à nouveau cité à comparaître pour continuer you may testify de recueillir votre déposition. Vous serez appelé à répondre en vous appuyant sur ce que vous savez. Will hand over sans to plus attendre, the relevant parties je vais to put céder question to you. La parole On behalf of the chamber, I wish to remind you of chambre, your obligation and right as the witness vos droits et testifying before the chamber. In your capacity as the witness before the chamber, you témoin, may object to any question or any request for your statement which may lead to your self-incrimination. In other words, you may exercise your right not vous-même. To self-incriminate. However, Toutefois, in your capacity as a witness to this proceeding, you are témoin, supposed to respond to the question générale, put to you by the parties or the chamber only in the case when il y a une seule you know that the question that you may respond may incriminate yourself. However, you are advised to respond to the question based on your personal reste, experience or your observation of the event that unfolded at the time. So you should endeavor to respond to the question by parties and judges of the bench. Vous allez être we already par les advised juges you par les once when you came to testify before the chamber earlier on. La Are you still aware of these rights and obligations? De ces droits et obligations? Est-ce que vous
en êtes respond. Yes, I am, Mr. President. Informé. Réponse, oui. The President, now I hand over the floor to the prosecutor and the lead co-lawyers for the civil party to put the question. I would like to advise the two parties that you have one session to put the question. So from now until the morning break, you may now proceed. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Concernant la répartition du temps, tout d'abord, nous commençons maintenant vers 9h30. Je crois que nous restons environ 1h30. Il a été décidé de conjoint accord entre les partis civils et nous que nous continuerions à poser des questions durant environ 40 minutes et que les partis civils poseraient des questions durant environ 50 minutes. Monsieur le témoin, la dernière fois, c'était le 11 janvier. Vous aviez répondu déjà à beaucoup de questions. The 11th of January, you answered a certain number of questions. I would ask you today to answer the questions that I have for you in the most specific way possible in order to assist with the ascertainment of the truth. I know that there are some questions that may perhaps conjure some painful memories, and for that we do apologize. However, I do ask that you make the last time you testified, you talked about your participation in the revolution dans la division 14, and the fact that you were under the command of Sosa-Run within vous Division 11. Vous avez notamment évoqué le fait que vous aviez participé à la libération de Phnom Penh, que vous avez été transféré avec votre division 801 du centre vers la zone nord-est vers la fin de l'année 1975, to the northwest, et qu'à partir de fin 1975, vous aviez été nommé par Sosa-Run, 1976, you were appointed by Mr. Sosa-Run as the chief of the re-education center. Et nous nous étions quittés quand vous aviez notamment affirmé avoir reçu un certain nombre d'aveux qui étaient recueillis à Phnom Penh et qui vous parvenaient par différents moyens dans le cadre de votre travail. J'en viens maintenant à une autre série de questions. This leads me to a subsequent line of questioning. You stated that the chief of Division 801 was Sosa-Run. Est-ce que vous savez si Sosa-Run était souvent absent de la zone nord-est et s'il se rendait souvent au centre à Phnom Penh durant ces années-là? Did he travel frequently to Phnom Penh during those years? To my understanding, Mr. Sosa-Run was in charge of Division 801. And then, in 1978, he was appointed on a temporary or interim basis as the chairman of the zone. Président de la zone. Merci. Je vais revenir sur la question qui était de savoir si, durant la période où vous étiez le directeur du centre de rééducation de Ho Khan Seng, à partir de fin 1976 jusqu'à 1979, est-ce que Sosa-Run s'absentait souvent was Sosa-Run de absent la zone nord-est frequently où il from the northeast zone pour se rendre since à Phnom Penh. He was the chief of sector 801, and did he travel to Phnom Penh during that period? Well, he frequently traveled back and forth from Phnom Penh to the northeast zone every year. Entre Phnom Penh et la zone nord-est chaque année. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait à Phnom Penh lorsqu'il s'y déplaçait? Est-ce qu'il vous en a parlé? Did he ever talk to you about the work that he did there? As for the decision at the upper level, at the commander level, I did not know because my position was
down below, but following his meeting, he disseminated information or direction from the upper authority as to how we're going to execute the plan, so on and so forth. Merci, je vais revenir sur ce point tout de suite. I'll return to that, lorsqu'il était absent, par exemple, à Phnom Penh, est-ce que vous aviez un moyen de communiquer avec Saw Sarun? Did you have any means of communication with Saw Sarun? Par exemple, est-ce que vous lui faisiez des rapports? Est-ce que vous receviez des instructions de sa part lorsqu'il était à Phnom Penh? When he was located in Phnom Penh. But now. When he traveled to Phnom Penh, we did not have any communication with each other. Actually, he did not have many work to do with my section. Il n'avait pas, plutôt son travail n'avait pas grand chose à faire avec la section dans laquelle j'étais. Merci. Vous avez dit, pardon, il y a un instant, qu'il relayait des instructions qu'il recevait à Phnom Penh. Est-ce que chaque fois que Saw Sarun se rendait à Phnom Penh, est-ce qu'il organisait au retour une réunion pour vous donner justement des directives ou des instructions qui lui avaient été communiquées à Phnom Penh par les dirigeants du centre? The instructions that he would have received from the center in Phnom Penh and from the leaders there. Yes, there was a plan from the upper authority, and it was to be disseminated to the lower level, as I mentioned earlier on. Était relayé aux échelons inférieurs, comme je l'ai dit plus tôt. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur ce plan qui était relayé, donc sur ces informations ou instructions que Saw Sarun vous communiquait de retour de Phnom Penh? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de sujets dont il vous parlait? What subjects he raised during the meetings? Recall it well, because there was a long lapse of time. But to my recollection, at that time we had to execute the plan to defend our country, as well as to try to increase agricultural production. In terms of protection, we are referring to the defense of our national sovereignty, particularly along the border between Cambodia and Vietnam. There were many issues along the Cambodian-Vietnamese border, and these were the issues that we had to pay particular attention on. And in the military rank, we had to strengthen our soldiers, and we had to be self-reliant in terms of food supplies as well. And as far as the serving of the people as well as the cooperatives, we had to support people as well as cooperatives. This was the main two main tasks, defending our national sovereignty as well as building our forces and our force. And as for the security office I was in charge, we had to monitor the execution of the plan as well, and we had to train our people, and we have to strengthen ourselves with all the components to which we belong. We had to make sure that we work along the line with the orders from the upper authority, and we had to reduce conflict and try to expand friendship. Merci. Dans le cadre des directives concernant la défense de la souveraineté du pays, est-ce que Saw Sarun vous parlait souvent lors de ce type de réunion
non seulement des ennemis de l'extérieur, mais des ennemis de l'intérieur. Enemies, et que disait-il à propos de ces ennemis de l'intérieur s'il en parlait? And what did he say about the external enemies if he did raise the issue? Yes, that is correct, because in our work we also discuss external enemies, and internal enemy was also discussed. We had to take measures in order to handle the internal enemies. There were penetrating forces in our internal forces. They caused sabotage against our forces, and there were some opposing elements as well against the political lines, and we had also deal with such situations. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tenir des réunions individuelles, de rencontrer individuellement Sosarun, dans des réunions qui ne concernaient que le centre d'Okanseng, et en particulier les aveux qui étaient recueillis au centre? Okanseng Detention Center, or with respect to the confessions that were extracted there? Yes, there was. Whenever there was any issue relating directly to my office, particularly when he wanted to give a particular instruction or in-depth instruction, then we also I also contacted with him, and there were also internal enemy attacking from inside against Sector 801, and at that time he tried to draw our attention to that particular issue. Qu'il cherchait à attirer notre attention sur cette question. Merci. Est-ce que Sosarun vous a dit pourquoi il était nécessaire d'obtenir des aveux auprès des détenus de Okanseng? The prisoners at Okanseng had to make confessions, or why confessions had to be drawn from them? Well, he wanted to know the report so that he could understand the overall situation. Now, for example, if there were internal enemies borrowing from inside, then he had to know at what level this enemy was. Was it at the command level, or was it only at the low file and rank level? Est-ce que vous avez reçu des instructions de vos supérieurs, en particulier de Sosarun, sur la façon d'obtenir des aveux? The question was inaudible for the interpreter. The co-prosecutors requested to repeat his question. Normally it was in the form of education and recorrection. We had to try to provide orientation to them. We did not arbitrarily accuse anyone of being enemy, and we were not allowed to exert any torture against the prisoner either. That's what we did when we were working at Okanseng Security Center. The President, Council, you may proceed. Mr. President, the question in English was never translated. Maître Copeau, la question n'a pas été interprétée en anglais. Je n'ai donc pas entendu quelle était la question du procureur. Je vais peut-être la répéter. And perhaps I'll repeat et comme the question, ça, monsieur then. L'avocat pourra savoir à quoi il a répondu. Je demandais s'il y avait eu des instructions de la part des supérieurs de monsieur le témoin, et en particulier de Sosarun, sur la façon d'obtenir des aveux des détenus d'Okanseng. His superiors as to how
confessions were extracted Monsieur le témoin, concernant ces questions, je ne vais pas y revenir. Je signalerai simplement que vous avez fourni certaines réponses qui se trouvent dans vos procès-verbaux d'audition E3-405 à la réponse 14 concernant cette façon d'obtenir des aveux lorsque des prisonniers refusaient de parler et dans le deuxième procès verbal interrogatoire D232-50 à la réponse 10. Je vais passer à un sujet suivant. Monsieur le témoin, vous avez dit en janvier Mr. Witness, et vous avez dit également devant les juges d'instruction chamber, que dans votre centre d'Okensing, vous n'aviez pas d'autorité pour prendre vous-même des décisions relatives au sort des prisonniers et que toutes les décisions étaient prises et communiquées par Sosa Rhön, aussi bien ce qui concerne la détention que la rééducation, la libération ou l'exécution des prisonniers. Whether it concerned the liberation or execution of prisoners. Is this correct? Yes, that is correct. C'est exact. Nous allons maintenant voir quelques exemples de pouvoir de décision réelle de Sosa Rhön et éventuellement de ses liens avec le centre exercise du parti. Et tout d'abord, je voudrais mentionner le cas d'un certain nombre de Jarai. Firstly, I want vous n'aviez to pas parlé à l'audience du 11 janvier dernier, mais je voudrais Jarai citer ce que we M. Témoin dit devant les juges d'instruction et à cette fin, M. January. Président. Je voudrais remettre le procès-verbal d'interrogatoire numéro 1, E3-405, au témoin et lui demander de regarder la réponse numéro 12 qu'il avait donnée à l'époque. Et j'en profiterai également pour donner les autres procès-verbaux d'interrogatoire avec votre permission pour qu'ils puissent s'y référer chaque fois que nous citerons un passage de ces procès-verbaux d'interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. If I may, thank you very much. The President, you may proceed. Court officer, please obtain the hard copy document from the prosecutor and hand it over to the witness. Donc, Monsieur l'huissier, c'est la réponse numéro 12. Sir, qui I would se refer trouve you en Khmer à la page 004-01-303 qui se prolonge sur la page suivante. And which carries over to the subsequent voilà, page. Je voudrais citer ce que vous avez dit devant les juges d'instruction, Monsieur le témoin. Said before the investigating judges, Mr. Witness. Je cite. C'est vers l'année 1978 que les Khmers rouges ont arrêté plus de 100 quote, personnes qui étaient des Jarai. Se trouvaient à la frontière avec le Vietnam parce qu'ils ont été mobilisés par les Vietnamiens pour rentrer sur le territoire vietnamien. Après, lorsque le Vietnam a attaqué le Cambodge, le Vietnam a renvoyé les Jarai à la frontière du Cambodge. Par conséquent, les soldats du front avant de la division 801 ont fait des enquêtes pour les arrêter et les envoyer au centre de rééducation. C'était ces soldats en question qui les ont arrêtés et qui les ont transportés au centre de rééducation par leurs propres moyens. Ils les ont confiés à ce centre pendant une nuit seulement. Puis le lendemain, ils les ont emmenés pour les tuer dans les fosses situées dans le périmètre du centre de rééducation durant la nuit. Les ordres, les décisions, tout cela était les ordres du chef de la zone. Mais à ce moment-là, Ta Lao, chef de la zone, successeur de Ta Ya, en a discuté avec Ta Sao Sarun. Fin de citation. End of quote. Je voudrais savoir comment vous avez pu apprendre que les autorités de la zone nord-est avaient discuté de l'exécution des Jarai avec Ta Sao Sarun. Qui vous en a parlé ou comment l'avez-vous entendu? Who told you this or how did you learn of this? Monsieur
According to the statement you read out just now, it was the information that I learned through the working procedure. Obtenu dans le cadre de mon travail. It was the working relation from one section to another, and they had to report to the command post. So we had to maintain this communication, and we follow up with the development of the issue. But as for this particular issue of the 100 Jarai who were captured, they were captured by the military, and it was the sole discretion of Ta So Sarun, because he was the commander of Division 801. They provided information to my section, and then we received those prisoners. And this particular story was related to many sections, and we had to accept these prisoners, and then we prepared the report accordingly. That was the issue around this matter at the time. Merci. Avant de vous montrer un document officiel concernant ce type d'événement, est-ce que vous vous souvenez si parmi cette centaine de Jarai, est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes parmi eux? The interpretation, we would like to apologize, we had a sound problem, and I think the sound is returning now. Court officer, please check with the AV unit to make sure that the sound goes through to the interpreters, because it appears that there is an issue with the English channel. You may proceed, Mr. Prosecutor, if the issue is resolved. Si la question est réglée, Monsieur le Procureur, vous pouvez poursuivre. Merci. Je vais la reprendre. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez parmi cette centaine, où vous avez dit qu'il y avait plus de 100 personnes? Est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes parmi ces personnes? Jarai. May the co-prosecutor please repeat the question? We have sound now, but we only got the last half of the question. Le procureur peut-il répéter la question? Car the president, international counsel, you may proceed. La parole est au Conseil international de l'ONG. Although I didn't get the question in English, I think I understood it in French. Moi, je crois avoir compris la question en français, mais je l'ai pas entendu en anglais. Mais je m'oppose à cette question. Is outside of the scope of this trial. Je pense qu'elle sera en dehors du procès. On parle ici des systèmes de communication, des structures militaires. Who were among the victims is at this stage in this particular trial irrelevant. N'est pas pertinent pour le procès en cours. Monsieur le Président, je pense qu'on doit procéder par ordre. D'abord, que tout le monde puisse entendre la question en anglais. First of all, everyone should hear the question in English. Je ne sais pas si maintenant c'est interprété. I don't know if now the question is being interpreted, but the question was whether there were women and young women among the Jarai people coming from Vietnam who had been arrested. Et en réponse à l'objection de la défense, to answer the defense's objection, in reality, we're going to show a document that describes Jarai who were arrested and executed. Essayer de savoir s'il s'agit bien du même événement, nous avons besoin de poser quelques questions de détail au témoin avant de lui montrer le document en question. C'est dans ce sens que nous demandons s'il y a des jeunes femmes parmi ce groupe de Jarai, ce n'est pas juste pour le savoir, c'est juste pour savoir s'il s'agit bien du même groupe de Jarai dont le témoin a parlé et dont il est question dans le document que nous allons montrer dans un instant. Dans un document que nous allons lui montrer à lui. May I quickly respond? What I don't understand, Mr. President, is what's the use of adding
The fact that potentially or allegedly women and children are victims. Maybe that is the case, maybe that's not the case. We are talking about communication. Let's just focus on that and the structure, not victims in the question unnecessarily. Rien, il n'est pas utile ni pertinent de s'attarder sur les questions des victimes. Si je peux juste répondre une seconde. En fait, le document en question, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais il s'agit d'un télégramme right now, but this in fact is a telegram that was addressed to Bang by a so named V de la zone nord-ouest. Et donc on retombe là sur le système de communication à propos d'un événement dont parle le témoin. Et donc c'est l'intérêt des questions que je pose. Why I'm asking him such questions. I'm trying to lay the foundations of a possible comparison qui lui montre le système de communication existant au sein des Khmer Rouge existed within the Khmer Rouge between the center and the northeast zone. The President. Le Président. Because this question is related to the scope, is related to the communication. Cette question porte sur les systèmes de communication. The objection is not valid. Elle fait partie du champ du procès. The witness is instructed to answer the question. L'objection est rejetée et le témoin doit répondre à la question que lui a posée le procureur. Monsieur le témoin, donc la question était de savoir so the question was les Jarai qui ont été exécutés par les militaires près de votre centre, close to your center, est-ce qu'il y avait des femmes ou des jeunes femmes women or young women among them? But, mien. Yes, there were. Oui, il y en avait. Vous avez dit qu'il y avait plus de 100 personnes qui étaient des Jarai qui avaient été arrêtées. Est-ce you said that there were more than 100 people who were Jarai who were arrested. So was it a number between 100 and 200 people, or could this mean more than that even? There were more than 100. Il y en avait plus de 100. Merci. Monsieur le Président, je voudrais montrer à Monsieur le témoin et faire projeter à l'écran avec votre permission le document E3/240. Document E3/240. This is a telegram from 15 June 1977 that was sent by V to the respected Bang and copied to Om Noon, Bang Van, Bang Phorn, Bang Kyu, Bureau et Archives. Office and Archives. Thank you. You may proceed. Le président, vous y êtes autorisé. Et pour être tout à fait clair, en attendant que Monsieur le témoin le reçoive, c'est le document E3/240. Il y avait un mauvais lien dans Zilab auparavant. There was a defective link in Zilab before, but we corrected this. So this is document anciennement appelé IS-21.20. That was the previous name. Alors, je voudrais simplement lire quelques extraits like de ce document. I would simply like to read a few excerpts from this document. À la première page du télégramme. On the first page of the telegram, we see the following. Si on peut projeter la première page. If we could please display the first page in Khmer. Au point 1, il est dit so ceci. So at point 1, the following is stated. À 9h du matin du 14 juin. Morning, on 14 June, that is to say 1977. L'unité de production 801 en poste permanent à 107 est allée patrouiller et a arrêté 209 soldats vietnamiens, dont 9 jeunes filles, aux environs de Ho Lac, à 4 km au sud de la route 9. Ce sont en majorité des Jarai, parlant mal le Khmer. On les a envoyés au commandement.
Fin de citation. Un peu plus loin, un peu plus bas dans le troisième paragraphe, il dit ceci. À mon avis, ce sont des ennemis externes qui viennent s'enfouir dans notre sol. Penetrating our territory. Ensuite, plus bas encore, au point 2, parmi la liste des mesures de résistance, il est dit il faut leur tirer fermement les vers du nez pour connaître leur plan concernant ceux qui sont encore dans la forêt regarding those that are still hiding in the jungle and to understand their links. And below, solliciter des recommandations supplémentaires de l'ANCAR. L'unité de production 801 propose une décision immédiate et définitive. Decision. J'attends votre réponse favorable. Waiting for your answer. Fin de citation. End of quote. Alors, monsieur le témoin, concernant le contenu de ce document, et notamment ces 209 personnes qui avaient été arrêtées, dont une majorité de which included mostly Jarai and 9 young women who were sent to the command post. Est-ce que ces informations correspondent au groupe que vous avez accueilli à Okansang that, et qui a été ensuite exécuté sur place, selon ce que vous avez dit, par les militaires qui les avaient arrêtés? Executed by the soldiers who had arrested them. La parole est à la the défense. Inner Council for Mr. Nunchia, you may proceed. Maître Koppel. Mr. President, I object on the same grounds as before. Pour les mêmes raisons. It's perfectly okay if the prosecutor is asking questions about how the communication was done, but I really do not see the necessity to highlight je ne vois pas the particular cela sert excerpts in relation to the killings. Extrait. It's just a way to get into evidence things that happened at that particular center. Je ne vois pas en quoi cela ajoute de le faire. Monsieur le témoin, j'ai witness, Mr. President, sorry. Un temps très limité pour I don't poser have mes much questions. Time to put questions to the witness, so I don't see how this objection is going to add anything to in relation to what was already said before. You already stated that the question was relevant because it was linked to communication. And if my colleague heard the last paragraph I read, there is this so-named V mentioned who is asking the center for advice and fait état d'une proposition de 801 pour une décision immédiate et définitive concernant ce Jarai, et il attend une réponse favorable. C'est un exemple type de communication entre la zone nord et le centre concernant des décisions importantes à prendre, et donc c'est évidemment pertinent pour le dossier. Le président. The objection is not valid. The witness L'objection is to answer est rejetée. The question le témoin put by doit répondre à la question. Monsieur le témoin, je vais la répéter. Witness, I will repeat the question. Dans ce document so, que in this document je vous ai lu, that I read où out to you, describing 209 dont 9 jeunes filles en majorité des Jarai envoyées au commandement young women le 14 juin 1977, sent to the command post on 14 June 1977. Est-ce que vous, does this avez vu correspond to what you witnessed de ce groupe qui est arrivé à Okansang, envoyé par la division 801, that had been et dont sent vous avez déjà parlé devant les juges d'instruction. Spoke about before the investigating judges. Yes. But the number 209 here is not true. Oui, mais le chiffre only de 209 n'est pas exact. Were sent to my section. Seul un peu plus de 100 personnes and ont été I do envoyées not know à ma section. The name of the person. Et j'ignore oui. Le nom du dénommé V. This is what I can tell. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci. Dans ce document E3/240, il est dit qu'une décision immédiate et définitive a été proposée au centre par 801 et par la zone nord-est, mais que des instructions et recommandations supplémentaires étaient attendues de l'ANCAR. Est-ce que vous saviez à l'époque si cette pratique de demander au centre des instructions était instructions from the center de la part was something that was de la division 801 on the part of division 801? Yes, of course. We have to communicate. Bien sûr, if we nous devions communiquer, do not communicate, we cannot lead the unit. Sans cela, il était impossible de diriger l'unité. This is what I can tell you. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, je vais accélérer et vous poser quelques questions concernant deux autres personnes de la division 801. Division 801. Vous avez dit avoir été commandant adjoint de compagnie au sein du régiment 81 de la division 801, et vous avez dit que ce régiment précis avait été dirigé par Keo Sarun jusqu'à son arrestation en 1977. Est-ce que vous pourriez vous nous dire, selon vos souvenirs, again, qui a remplacé Keo Sarun à la tête du régiment 81? The President, witness, please hold on. Attendre. La parole est à la défense. Mr. Nguyen, you may proceed. The counsel, I would like to object to the question by the co-prosecutor. Objection. I object to the question which led the witness to answer la question to posée conclusion. Appelle le témoin à présenter ses propres conclusions. The position of the witness. In la fact, the witness is not the commander of the division. Portée so sur le poste du témoin, or le témoin n'était pas commandant. On ne peut poser au témoin des questions de nature à l'amener à présenter ses propres conclusions. Monsieur le Président, si je peux répondre, il ne s'agit pas d'amener le témoin à présenter ses propres conclusions, mais de demander très objectivement s'il savait, puisqu'il a dit que Keo Sarun, le 11 janvier, il en a parlé, il a dit que Keo Sarun avait été arrêté en 1977, Keo Sarun était un de ses supérieurs au sein du régiment 81, nécessairement, même un subalterne, parmi les officiers, devrait savoir qui dirige un régiment. Donc je demande simply asking if he knows who replaced Keo Sarun at the head of Regiment 81 once Keo Sarun disappeared. Et Monsieur le Président, ça fait partie, and bien Mr. sûr, President, de of course, questions this sur la structure militaire of the questions regarding the military structure of the regiment. The objection to the question is not valid. The witness l'objection is instructed est to answer the question put le by the co-prosecutor. Doit répondre à la question posée. Le témoin. In Regiment 81, Division 801, dans after le régiment 81 removed, de la division 801, après him. Le départ de Keo Sarun, Aum Somon l'a remplacé. Later, Horn, plus tard, I could not remember his family name. Horn, c'est Horn became the commander qui est devenu commandant, mais j'ai oublié son nom de 801. Famille. C'est lui qui est ensuite devenu commandant du régiment 80. Merci, Monsieur le Témoin. À propos thank de you, ce witness. Now regarding Sam-on, this Sam-on, Sam-on, je voudrais, avec l'autorisation de la Chambre, like montrer au témoin
faire permission of the chamber to display a document which is E3/1160 again. Un rapport this is a report that was sent by Run to Son Sen and regarding this comrade Sam On, and it is dated 30 March 1977. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation President, de lui montrer ce document? I have your permission to show him this document. Le Président, the President, you la Chambre vous y autorise. Merci. Avant Thank you. De lire, so avant de poser des questions au témoin sur le contenu de ce document, je voudrais document, citer deux like paragraphes. Ce sont les deux paragraphs. Premiers. These are the two first paragraphs. Le premier. The first paragraph, et donc, c'est, cela vient de Rhône, adressé à Homme 89. From Rhône, il dit ceci, point 1. Je sollicite le limogeage d'un certain nombre de cadres du bataillon. En effet, ces camarades agissent en général contrairement à la ligne. Les masses populaires ne croient pas en eux. L'éducation et la rééducation n'ont aucun effet sur eux. Ils n'acceptent pas de se corriger. Les perspectives d'évolution ont régressé. Je sollicite qu'on limoge le camarade Sam On et qu'on l'envoie au bureau à la place. Conformément à la recommandation de l'Encar, je sollicite qu'on nomme le camarade Mao en remplacement. Que Homme veuille bien se prononcer sur le camarade Mao. Concernant son sort, je me repose sur votre décision. Et plus loin, dans le paragraphe, tout en bas, il est dit, le camarade Mao mérite le grade de secrétaire Mao de régiment. To become fin de regiment paragraphe. Secretary. End of paragraph. Citation. End of quote. Alors, première question, si M. Témoin peut regarder tout à la fin du document, tout en bas, il y a le nom de Rhône, et je crois Rhone's qu'il y a aussi une signature. I think there's also a signature. Qui est Rhône ici? So who is Rhône? Est-ce qu'il s'agit toujours du Ta Sosa Rhône dont vous avez déjà parlé, ou bien se gérait-il d'une autre personne? Spoke about before, or is this someone else? I would like to object to the witness. Monsieur le Président, si Mr. je peux répondre, je sais que Monsieur le Témoin n'a sans doute pas vu ce document, mais je lui ai posé document, des questions sur le successeur de Kelsarun à la tête du régiment 89. Il a dit Homme Sam On. Ici, dans l'extrait que je cite, il est effectivement question une fois de plus du camarade Sam On. Je voudrais poser des questions justement au témoin pour savoir s'il s'agit bien de la même personne qu'il a déjà cité comme remplaçant de Kelsarun, et tout ça s'inscrit dans le contexte à la fois de la structure militaire et de la communication entre le bureau de la division 801 et le centre du parti. Donc je demanderai que l'objection soit rejetée, Monsieur le Président. Mr. President. The counsel. La défense de Nguyen Chia. The witness. J'ai quelque chose à ajouter. Is a low-ranking military officer. Ce témoin était un militaire de rang subalterne. This letter, this correspondent, is for the high-ranking le document official. En question concernait Based on les responsables my own de haut rang. Conclusion.
I am sure that the witness does not know nous pouvons about assurément the conclure que le témoin so n'est pas au courant d'une telle lettre. Le témoin ne pourra donc pas répondre à toute question qui serait posée par l'accusation concernant ce document. The president, the objection is not well grounded. L'objection so it is est not rejetée. Valid. The witness is instructed to answer the question. Le témoin put doit by répondre the à la question posée. Co-prosecutor. Le témoin. I want to give a short answer. Ma réponse sera Became the chief Sam of On 81 est devenu and later on chef Mao de became 81 et par la suite This c'est true. Mao qui est devenu le chef. C'est la vérité. The signature of Run. La signature de Run. Run here referred to Kaev Sarun. Renvoie ici à Kaev Sarun. C'est Kaev Sarun et non pas So Sarun qui a signé cette lettre. Thank you. Merci. Est-ce que vous savez ce qui est Thank arrivé you. Au camarade you know what happened Sam On to comrade par la Sam suite? On later on? I did not know much about that because pas grand chose à ce my sujet. Upper echelon. When they did anything, Lui they did not tell the subordinate. Mon supérieur, quand il agissait, il n'en informait pas ses subordonnés. Merci. Thank you. Juste au fin de la transcription, and just for the purposes of the record, I'd like to mention that on the revised list of S21 that was produced by the co-prosecutor's office, his name is included au numéro 7803. At number 7803. This is list E3/342. Voilà, par manque so, de temps, Monsieur le Président, well, je since vais I don't have much time, m'arrêter Mr. President, ici I'm going to stop here regarding my examination remercie, of the witness. And thank you very much, and thank you very much, witness, for his patience. And now I will let my civil party Merci. Colleagues to proceed with the questioning. Thank you. Enjoy. No. Le président. The colleague lawyer. La parole est au co-avocat principal pour les parties civiles. Maître Pic Ang. Your Honor, the lawyer who is in charge of putting questions to the witness, Mrs. Chet Van Lee. Ce sont Maître Chet Van Lee et Maître Benier qui seront chargés d'interroger ce témoin so, au nom de la partie civile. Your Honor, good morning, Maître ladies and gentlemen, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Good morning, Mr. Chamsai. Chers confrères, my name is Chet Van Monsieur le témoin, bonjour, je m'appelle Chet Van Lee. I would like to ask you some questions. Et j'ai des questions à vous poser, you Monsieur have le témoin. Answered many questions vous avez déjà répondu already. À de nombreuses questions. But right now, I would like you to give some more details. À mon tour, j'aimerais approfondir quelque peu. My questions are based on your answer given to the revenir sur les réponses que vous avez déjà données à l'accusation. Document E3/405. Je vous renvoie au document E3/405. Document D332. /53/53.
and document E3 et E3. E3/405 and document D-369/8 également. I would like to ask for your leave to give some excerpts. J'aimerais when citer I refer quelques to extraits de ces documents. During my question, car je vais so right faire now I would like to move back a little bit. Mr. Chamsai has answered many questions le put by the co-prosecutor Vardy. In your capacity as the chief of Ogonseng Center, témoin, vous étiez chef du centre d'Ogonseng. And with regard to the plan to attack into Phnom Penh, en ce qui concerne le plan d'offensive contre Phnom Penh. So right now I would like to move back to your previous action, j'aimerais your participation in the movement. I would like to ask you whether you have attended any military training. Avez-vous suivi une formation militaire quelconque? Bandit. Yes, I did. Oui. How long did you attend the military training? Question. Combien de temps votre formation militaire a-t-elle duré? Look, Chamsai. Mr. Chamsai. Réponse inaudible. You question. Attended the Monsieur movement, Chamsai, the struggle movement. Vous avez participé when you au were mouvement de 20 lutte years old, alors que vous aviez in 1970. 20 ans. C'était en 1970. Did you ever attend avez-vous any military training suivi at that time? Une formation militaire ah, à l'époque. Très bien. J'allais signaler, Monsieur le Président, que nous n'avions pas eu de traduction de la réponse you know du témoin à la question de ma consoeur, mais je vois qu'elle repose la même question, donc question je la laisse faire. So, I'll let her proceed. The President, le Président, the witness, you are instructed to answer the question. Le témoin doit répondre à la question posée. And for the next question, the witness did not activate the microphone, so only cependant, both of them can hear. The wire did not get into the le microphone system. N'avait pas été enclenché. I would like l'avocate her to a entendu put la réponse, the question mais la again, n'est pas passée dans but le système audio. Lawyer, repeat. J'allais moi-même the question. Demander à l'avocate de répéter la question, mais elle l'a fait sans attendre que je l'y she enjoigne. Said that we had short time. However, if we use the time in this manner, the time would not be used effectively. So please évitons les pertes de temps. Again. The counsel, thank you, Mr. President. L'avocate. So I would like to move to another question. Merci, Monsieur le Président. Je passe à une autre question. On the 11th of January, le 11 you janvier, said that your troop cooperated vous avez dit que vos troupes with Vietnam avait coopéré in Kampong Speu and Takao and Kampot. I would like you to clarify. Pourriez-vous apporter who un complément provided d'information the food and weapon qui to the assurait movement? L'approvisionnement du mouvement en alimentation et en armes? I do not need to give a long answer. Ma réponse sera concise. Only the head of the movement could give seul detail. Le chef du mouvement pourrait donner des détails à ce sujet. I was only an ordinary soldier. Moi, je n'étais qu'un soldat ordinaire. I could not describe what happened at the beginning. Je ne saurais décrire ce qui s'est produit au début. Sôm ở côn đồ. Lấy nhóm sôm ở lúc mà chạy bà đòn tiết đá. I would like to ask you again. On the 17th of April 1975. Le 17 avril 1975. You said that d'après ce que vous avez you déclaré, received a plan to attack into Phnom Penh. Vous avez reçu des instructions who d'attaquer Phnom Penh selon un plan. The plan and who qui a led imposé the ce plan et qui a pris la tête de cette offensive? Bah, crom bat bành chia rabo me mi chia ka. Réponse. It was under the order of the commander.
les ordres the South avaient été cooperated with the North. Par le commandant. Le Sud a dû coopérer avec le Nord. Sosarun was the commander of the division. Était le commandant de la division. Question. Question. Besides Sosarun, who else did you receive lui, the order from? Qui d'autre vous donnait des ordres? Respond. She wanted to know about the structure. So, vous m'interrogez sur la hiérarchie. Under the division, there was au regiment, de la division, there was battalion. Des régiments, des so, bataillons. I could not describe all the commanders. Il m'est impossible this is what de I can tell. Dire qui étaient les différents commandants. Question. Question. Who was above Sosarun? Qui était le supérieur who gave the order de to attack into Phnom Penh? Et qui a donné l'ordre d'attaquer Phnom Penh? The general commander Chet Chun, le commandant général, alias Mok. C'était Chet Chun, alias Mok. Somakono. Question. Question. When Phnom Penh was liberated, where après la libération were you stationed? De Phnom Penh, où and avez-vous été what stationné? Kind of responsibility did you have? Et quelle responsabilité exerciez-vous? Man. Response. After Phnom Penh was liberated, après la libération my de Phnom Penh, unit was stationed mon unité a été in the surrounding area of Psa Thmay. Autour du Psa Thmay. Forces would then be assigned to monitor the location. Les forces étaient chargées de contrôler leur périmètre. Counsel, thank you. Were you in charge question. Of evacuating the population avez-vous out été chargé of the city? D'évacuer la population de la ville? Response. Réponse. Regarding the order to evacuate the population from the city, I believe that these orders je were the blanket ones. Every city had to be evacuated. La no doubt. Ville concernait en réalité toutes les villes. Toutes les villes devaient être Counsel, évacuées à ce thank moment-là. From whom question. Did you receive such orders? De qui avez-vous reçu un tel ordre? Response. Réponse. We received orders from nous different avons reçu des ordres émanant de différents respective échelons commanders. Et des différents commandants. Question. Question. Did you engage in meetings before such evacuations took place, the evacuation plan, were they discussed before Phnom Penh were attacked? A-t-on discuté des plans d'évacuation de Phnom Penh avant l'offensive? Response. Plans réponse. Were set up before they were carried out. Les plans ont été conçus avant leur exécution. Phnom Penh got it back. Question. Question. Were you convened to any meetings avez-vous before such plans being carried out? Avant la mise en œuvre de ces plans. Response. Each réponse. Unit had different meeting. And we were obliged to disseminate the information concerning the plan to the other relevant sections. Et nous devions relayer les détails du plan aux autres sections concernées. Question. Just now, you indicated question. That you were in charge of the location
et absent mai vous venez de after dire Phnom Penh was liberated. How many people were under your supervision? And what was your impression concerning the situation back then? Combien de personnes supervisiez-vous et quelle était votre impression de la situation à l'époque? Réponse. I was the deputy chief. J'étais le chef adjoint. Regiment. Du régiment. And we were tasked with protecting or defending vous avez affecté the areas la protection ou la défense surrounding Psat Mai. La zone after le population Psat Mai. Was evacuated, we après had to remain in the vicinity to make sure that security was properly installed and that we had to be sécurisé tasked with the looking after the area that et had been conquered. Nous avions été chargés question, de surveiller when you were at la the Psat Mai vicinity conquise. And you were in charge of question. Cleaning the alors city que vous étiez can you please describe Mai, to the chamber the evacuation pouvez-vous nous plan décrire were people evacuated by force or did they volunteer to leave the est-ce city? Est-ce que les gens étaient évacués de force ou plutôt l'ont-ils fait de leur plein gré? Response. Whether it réponse. Was a forced evacuation, I cannot say. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'une évacuation forcée. I personally feel that people were not forced to leave the city pas. Because it took us 7 days before que les gens the whole population de quitter, was a pris 7 removed jours from the city. De question. Retirer toute la population de la ville. Did you question. Receive any resistance? For example, were you a-t-il eu des résistances? Faced with remaining people who protested against such order. Avez-vous été confronté à des gens qui s'opposaient à l'ordre d'évacuation? Response. In my unit, we did not face such nous ordeal, but in other units, that was the case mais ça a été le cas because pour d'autres they had to collect arms from other people who had to surrender their weapons. Des armes de gens qui devaient question again were you attacked question. Or fired avez-vous at by été attaqué? People who did not want to leave the city. Est-ce que des gens qui ne response. Voulaient pas quitter la ville vous ont as I stated already, réponse. The situation was calm in my area, no comme je l'ai fighting, dit, dans la zone no dont j'avais resistance. La responsabilité, c'était calme, il n'y a pas eu de résistance ou de combat. Question. For those question. Who would not like to leave the city and who could hide themselves ceux qui in those pas buildings, la ville et qui what would se cacher you do dans les bâtiments? To these people? Comment gériez-vous une telle situation? The president, le président. Witness, could you please hold Monsieur on? Counsel for Mr. Nguyen-Tie, you may now proceed. Mr. President, I object to this Monsieur question. Le the question is asking for speculation by the witness, and it's also hypothetical. Et c'est hypothétique. Counsel, Mr. President, allow me to respond to this. Répondre. Witness had already said that he received orders from his superiors reçu l'ordre regarding evacuation of the city. And during the course of the evacuation, some people did not want to leave the city. And my question was very simple. We would like just to know what happened to those who did not want to leave the city. The President, the objection is not sustained. Mr. Witness, you are now directed to respond to the question just put to you by counsel for the civil parties. La question qui lui a été posée par la Conseil des parties civiles.
response. I wish to du témoin. Say that people may protest, but that didn't happen at my in my section. Des oppositions, mais ça ne s'est pas produit dans ma section. Mais il y en a d'autres unités ont fait face à la justice. Had to be warned and asked to leave the city, and they would not be fired at. Et leur dire de quitter la ville. Question. Thank you, Mr. Witness. I would like you to also tell the chamber. Merci. During the course of the evacuation, did you see people dying? J'aimerais savoir si dans le cadre de l'évacuation, vous avez remarqué que des gens sont morts. The elder people who had problems walking out of the city. Les personnes âgées, ceux qui avaient de la difficulté à se déplacer et qui ne quittaient pas la ville avec autant de facilité. Response. Réponse. I cannot answer this question fully because I was not holding a higher position and my task was rather broad and I was obliged to fulfill my duty and that's all I can say. M'acquitter des tâches qui m'ont été confiées, c'est tout ce que j'ai à dire. Mr. Witness, question. Can you tell the chamber again, please, how many days did it take the units to evacuate all the people out of the combien city? Combien de temps cela s'est pris aux unités pour procéder à l'évacuation de la ville? Response. Réponse. It took us about 7 days. 7 jours environ. Thank you. Question. Which regiment was in charge of cleaning the city, or were quel they backed up by other forces? Avait la pour tâche de nettoyer la ville, et était-il appuyé par d'autres forces? Response: there were outside forces, réponse. But il those forces were stationed at the outside of the city. And there were de la ville. Main divisions from the special zone who were in charge of la zone spéciale being qui of monitoring the city. La question, tâche I would like la ville. To turn your attention to Okansang Security j'aimerais Center. Vous poser des questions you sur said le centre that Sosarun assigned you to vous become the head of Sarun the security center of Okansang. Can you tell the chamber, please, why it was you who were selected pourriez-vous to expliquer become à la chambre the head pourquoi c'est vous by Sosarun qui a été nommé par Sosarun pour cette tâche? Response. I find it difficult réponse. To respond to this question. C'est un peu difficile but on the de outset, when he was the commander of au début, the brigade, he would like me working as his messenger. It was a kind of rapport we had built long ago, and he felt like having me as his messenger. He would like me to assist him because he treated me more like his brother or nephew, in a sense. And I personally was seen to be having performed my duties very well, que je m'acquittais très bien and I was very much liked j'étais and très trusted et digne de confiance. By him because he noted I was a very committed il a remarqué person, que j'étais une personne and for that reason, très dévouée. I can say that c'est pourquoi he chose me. Je pense qu'il m'a choisi. The President, thank you, Counsel, and Mr. Witness, merci, and parties to the proceeding. It is maître, now appropriate moment for the adjournment. Le the chamber adjourn for 20 minutes. Pour une vingtaine de minutes. The next session et will be resumed by 11 o'clock. Court officer is now instructed to assist the witness huissier during this adjournment. The court is adjourned. Faire le nécessaire. Somme tient, Crouchard. Le président, le greffier, veuillez vous lever.